réseau artériel de l'encéphale. Si les notions de votre cours portant sur l'appareil cardiovasculaire ne sont pas trop loin, vous reconnaîtrez sur cette vue latérale droite le tronc brachiocéphalique qui émerge de la crosse de l'aorte, ici. De ce tronc brachiocéphalique-là émerge l'artère carotide commune, qui est ici, et l'artère carotide commune se scinde en deux. L'artère carotide interne qui monte vers l'encéphale et l'artère carotide externe qui irrigue les structures extérieures de l'encéphale. Tout le long des vertèbres, on a aussi une artère vertébrale qui sort ici de l'artère subclavière. Cette artère-là monte le long des vertèbres et va aussi irriguer en partie l'encéphale. Ce croquis d'une vue inférieure de l'encéphale est amputé de la partie antérieure du lobe temporal et d'une partie du pont et du cervelet pour mieux voir les vaisseaux sanguins qu'on va étudier. Notons d'abord l'entrée des deux artères carotides, l'artère carotide interne droite et l'interne gauche. Chaque artère carotide interne donne naissance à deux artères. L'artère cérébrale moyenne, qu'on voit ici de chaque côté, on la verra ici, mais également, mais le lobe temporal la camoufle, et également va donner naissance aux artères cérébrales antérieures qui s'étendent ici vers l'avant. Les deux artères cérébrales antérieures sont unies par une petite jonction, une petite artère qui s'appelle l'artère communicante antérieure, qui est illustrée ici en jaune. Les artères cérébrales moyennes et leurs ramifications passent par le sillon temporal pour irriguer les parties les plus latérales, tandis que les artères cérébrales antérieures vont circuler entre les deux hémisphères pour nourrir les parties plus médiales. Les deux coupes suivantes illustrent bien les zones de l'encéphale qui sont desservies par chacune des artères. On reconnaît bien les parties latérales desservies par les artères cérébrales moyennes, qui sont illustrées ici en vert, et les parties médiales, illustrées ici en rose par l'artère cérébrale antérieure. Les deux figures suivantes illustrent les territoires qui sont desservis par chacune de ces artères-là. Vous remarquerez également qu'il y a un territoire en bleu dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit du territoire irrigué par l'artère cérébrale postérieure que nous allons décrire dans quelques instants. De chaque côté de la moelle épinière qui se trouve ici, on va retrouver le long des vertèbres deux artères qui sont là, les artères vertébrales, qui proviennent des artères subclavières. On peut voir que le cervelet va être irrigué en partie par les deux artères vertébrales. À la jonction du pont et du cervelet, les deux artères vont fusionner et donner naissance à l'artère basilaire. De cette artère-là, des ramifications vont émerger pour nourrir le pont, notamment. À la jonction du pont et du mésencéphale, l'artère basilaire va donner naissance aux deux artères cérébrales postérieures dont on a parlé il y a quelques instants. Notez que ces deux artères-là passent devant les nerfs oculomoteurs qu'on voit ici. Les ramifications de l'artère cérébrale postérieure vont desservir le lobe occipital qu'on voit ici et la partie inférieure du lobe temporal. On revoit ici les trois territoires desservis par les artères cérébrales. Deux dernières artères cérébrales permettent de compléter l'identification. Il s'agit des deux artères communicantes postérieures qu'on voit ici en jaune. Ces artères relient les artères cérébrales postérieures aux deux artères cérébrales moyennes. De cette manière, les artères cérébrales moyennes ainsi que les antérieures vont recevoir du sang non seulement des carotides internes, mais également des artères vertébrales via cette réunion artérielle. Lorsqu'on fait disparaître le fond de l'écran et qu'on retire les vaisseaux sanguins qui sont plus en périphérie, on se retrouve avec un cercle fermé de vaisseaux sanguins qu'on appelle ici le polygone de Willis. Le polygone, de façon schématique, ce polygone ressemble à un hexagone. Deux arêtes sont formées par les artères cérébrales antérieures. Ces deux arêtes sont reliées par l'artère communicante antérieure. L'artère cérébrale postérieure forme la base de l'hexagone et les deux artères communicantes postérieures forment le lien avec les artères cérébrales moyennes qui se trouvent au sommet central du polygone. Rappelons également que les artères carotides internes acheminent le sang au polygone de Willis par ce même sommet. Précisons enfin que plusieurs ramifications des artères qui composent le polygone de Willis apportent le sang aux structures cérébrales plus centrales, comme le thalamus et l'hypothalamus, par exemple.